Numéro 14, présenté par Olivier Roussel, s'appelle Camille Amix, elle est née le 7 mars, c'est une fille de Bâtiron, un jeune étalon Bâtiron dont les premiers produits ont 3 ans, père de vainqueur, et Ben Lamix par le grand, glorieux et retraité désormais, Al Lamix, donc née le 7 mars, je le rappelle. Une pouliche qui est une nièce formidable d'origine, hein, puisque c'est la nièce de Sir Naïm, gagnant de groupe 1. Voilà, gagnant de groupe 1 l'année dernière pardon, à Ascot, le très important Betfair Ascot Chase, et qui avait déjà aussi remporté de grandes épreuves très importantes au préalable. On va pouvoir marcher, car évidemment, le jeune et frêle lad qui tient la pouliche ne tient pas en place. Vous l'aurez reconnu derrière son masque, c'est Christopher de Beaubois, le grand jockey de l'Ouest qui est là. Et oui, parce qu'il tient, la pouliche pour le coup du mari d'Olivier Roussel, qui n'est autre qu'Alex Roussel, autre multiple cravageur de l'Ouest. Voilà un gang de jockeys. Et une fois n'est pas coutume, la seule chose qu'ils ont oublié, c'est leur cravache, l'équivalent de la cravache, c'est la chambrière. Voilà, deux jockeys qui nous présentent cette Camille Amix, une fille de Bâtiron et la mère donc par le regret, pas par le regret, il est encore mort, mais il est désormais retraité parce qu'il a perdu sa fertilité. Al Lamix, cheval qui était un grand avenir à l'heure. Allez, on marche maintenant et on va pouvoir aller au trot. Al Lamix, la mère, s'est imposée sur cet hippodrome du Lyon-Angers dans le prix Château-Pierre. Montée par Alexandre Roussel en personne. Chez Laurent Viel. Allez, tu peux lâcher au trot désormais, Christopher. Allez, on y va, action. Comme dans les stades de départ, tu les mets bien devant toi. Camille Amix, donc, la nièce de Sir Naïm. The niece of the great, great Sir Naïm. Gregory Wheeler at Ascot. By Bathiron, the son of Monson, born on the 7th of March. Yeah,